Alors on vient à Cotonou pour participer au BFC 7, donc l'événement de MMA organisé par Juanilo Medegan. Alors on a deux ambitions. D'abord on est venu avec deux combattants français de la Free Fight Academy qui espèrent remporter la victoire évidemment. Et puis on voudrait aussi participer au développement du MMA en Afrique de l'Ouest et au Bénin en particulier. Parce que on a des relations fortes avec Juanilo Medegan, qui est l'organisateur de l'événement, qui est un ancien élève que j'ai connu pendant qu'il séjournait en France à Paris. Oui, alors on affronte. Abdellah Belaoui affrontera un combattant béninois. Et Nora Cornol, par contre, affronte une adversaire qui est du Nigeria. Alors le MMA, c'est le sport de combat qui réunit toutes les techniques d'arts martiaux et de sport de combat. Donc c'est le sport de combat le plus complet au monde, donc le plus efficace au monde. Nous, en France, on a attendu longtemps qu'il soit légalisé. Ça fait 25 ans qu'on le pratique, mais ça fait que 2 ans maintenant qu'il est légalisé officiellement en France et qu'il peut y avoir des compétitions de MMA sur le territoire français, organisées officiellement. Et on est très content que ce soit le cas au Bénin aussi et de pouvoir partager notre passion avec les combattants béninois. C'est un sport qui est déjà en top, c'est le nec plus ultra maintenant déjà des arts martiaux et des sports de combat partout dans le monde et qui a effectivement de grandes perspectives de développement ici au Bénin. Ouais. Ce sont des combattants professionnels qui en sont au début encore de leur carrière professionnelle, mais qui commencent déjà à avoir un très bon niveau. Alors, ils ont des palmarès dans différentes disciplines. Abdellah a déjà été champion de France de MMA amateur avant de passer professionnel. Et Nora a plusieurs titres en boxe thaïlandaise, puisqu'elle vient de la boxe thaïlandaise avant le MMA. À la cool, hein. En sachant que moi je suis né au Maroc, donc je suis né en Afrique, donc je suis africain. Donc combattre pour moi en Afrique, ici au Bénin, c'est chez la famille. Donc on est là, bien accueillis, le voyage s'est bien passé. Demain on va perdre les derniers kilos et samedi on va faire un beau spectacle, tout simplement. Non, moi j'écoute le coach, c'est lui qui regarde l'adversaire. Moi je fais mon travail à la salle, après le travail il va payer dans la cage, tout simplement. Je suis venue participer à la 6e édition du BFC. Je suis très contente, c'est la première fois que je combats en Afrique. Tout comme Abdellah, moi j'ai des origines maghrébines, je viens d'Algérie. Donc je suis super contente de combattre sur le continent. Et je suis super contente de participer au développement du MMA au Bénin. Pas spécialement d'idée, je sais qu'elle a 2 combats en MMA aussi, qu'elle a 2 victoires. Mais j'en sais pas plus, on verra bien dans la cage. Yeah, man.